Bonjour tout le monde, c'est Adrien pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une démonstration du réseau Ecolink. Alors Ecolink, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau qui fonctionne en analogique, en FM, principalement en VHF et en UHF. Il y a peut-être des exceptions avec quelques relais sur le 10 mètres, mais bon, je pense que c'est vraiment une minorité. Et donc Ecolink, c'est un réseau qui permet d'interconnecter plusieurs relais entre eux grâce à Internet. Alors il y a plusieurs types d'utilisation. On peut utiliser le réseau Ecolink à partir de son ordinateur ou d'une tablette ou d'un téléphone portable, et ce qui peut être sympa lorsqu'on est en vacances. Et puis bien sûr on peut l'utiliser du côté radio, et on va se concentrer là dessus pour cette vidéo. Il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs types de stations, il y a deux types de liaisons Ecolink si on veut, enfin deux types de stations Ecolink. Il y a les stations relais qui sont des relais tout à fait normaux, donc avec une fréquence de réception, une fréquence d'émission, voilà, tout à fait classique, qu'on appelle tout simplement des relais, ça paraît logique. Et puis il y a ce que dans le langage Ecolink on appelle des links, qui sont simplement des points d'accès en simplex sur une seule fréquence, qui vont tout simplement retransmettre le trafic radio sur la partie internet. Un petit peu comme les points d'accès des VMega et autres, voilà, qui font simplement la passerelle entre la radio et internet. Là aujourd'hui, on est de mon côté, je suis sur un relais qui est sur Genève, qui est HB9GE. Attention à ne pas confondre avec HB9G, c'est pas la même station. Et on va dans quelques instants se connecter avec Nicolas F4HTN qui va être en démonstration dans son radio club. Donc dans le nord de la France, je crois que c'est le club F8KHW si je ne dis pas de bêtises. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la démonstration du QSO. Quand même avant, comme on a encore un peu de temps, je vais quand même rajouter que pour se connecter aux différents relais, aux différents links, quand on est avec l'ordinateur ou avec son téléphone portable ou autre, voilà, c'est très simple, il suffit de sélectionner la station sur laquelle on veut parler ou la conférence. Alors la conférence, c'est simplement un serveur, on va dire, qui regroupe plusieurs relais, plusieurs links et éventuellement plusieurs utilisateurs via PC ou autre. Et donc voilà, bah c'est tout simple, il suffit de sélectionner l'endroit où on veut parler, donc la station où on souhaite émettre. Et quand on est du côté radio, l'interconnexion se fait avec des commandes DTMF, avec un numéro, un petit peu comme un numéro de téléphone. Donc chaque utilisateur sur le réseau a un numéro qu'ils appellent un numéro de node sur Ecolink, donc un numéro unique. Donc ce soit un link, un répéteur ou même les utilisateurs IP. Chacun a un numéro et ce numéro peut être utilisé. Par exemple, là, tout à l'heure, on va le faire. Moi, je vais connecter le link de F4HTN. Donc, je vais composer son numéro et le système va le trouver et il va nous connecter. Enfin, ça, c'est ce qu'on espère. Et normalement, tout devrait fonctionner. On a fait le test hier, donc tout va bien. Et donc, voilà. Et cette numérotation se fait via le DTMF. Alors, le DTMF, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une signalisation notamment très connue parce qu'elle est utilisée dans le téléphone analogique. Donc c'est tout simplement la signalisation, la tonalité que font les touches du téléphone. Pour ceux qui ne connaissent pas ce type de signalisation, pas mal utilisé dans le monde radio amateur et également dans le monde professionnel au niveau de la radio. Voilà, à tout de suite, un petit cut là dans la vidéo et on se retrouve juste après pour le contact. Voilà, c'est parti, donc on va se connecter à la station de Nicolas. Connecting to F4HTN link. Connected. Fox 4 Hotel Tango November portable, F4HTN portable. Ici Fox 4 Golf Victor Echo qui t'appelle par le réseau Ecolink. F4HTN portable, ici F4GVE qui t'appelle et qui repasse sur écoute. Fox 4 Golf Victor Echo et F4HTN mobile. 73, Adrien, j'espère que tu vas bien, voilà. Donc, petite démonstration d'Ecolink au club F4KHW. Donc, normalement, tu devrais m'entendre sans problème. Là, je t'entends le
micro. Source 4 Golf Victor Echo. Source 4 Hôtel Tango Nord Envoi Mobile. Oui, ok, Nicolas, F4 HTN mobile, donc F4 Golf Victor Echo, eh bien 73 à toi, 73 à l'ensemble des membres du club F8 KHW. Donc, je vais me présenter quand même pour ceux qui écoutent, le prénom est Adrien, et je me situe dans le département 74, la Haute-Savoie, à proximité de la ville de Chamonix. Et je suis actuellement sur le relais Hôtel Bravo 9 Golf Echo, qui dispose d'une connexion à iColink. Et je trafique avec un Yazoo FTM 100, 50 watts, et une antenne omnidirectionnelle demi-onde qui se situe à peu près à 10 mètres au-dessus du sol, sur un petit mât de déport type mât de télé, sur la poutre. Au fait de la toiture, voilà. Je sais pas la distance exacte qui me sépare du relais, je dirais à peu près 60 km, je pense, à vol d'oiseau. Voilà, Nicolas, je te repasse le micro et puis tu expliqueras, parce que oui, je suis en train de faire la vidéo, là, comme je te disais, et tu nous expliqueras le système que tu as mis en place de ton côté. F4 HTN mobile, F4 GVE. Ok, 100% Nicolas, ça arrive très très bien également de mon côté, F4 HTN mobile, F4 GVE. Ok pour l'installation donc de ton point d'accès Ecolink qui est tout simplement sur la fréquence du relais local chez toi. Il n'y a pas de problème, hein, ça, bah, de toute façon on avait fait le test hier, mais ça arrive dans de bonnes conditions. J'ai pas regardé à quel niveau je recevais le relais HB9GE, je pense que c'est entre 55 et 57, j'ai pas fait attention. Mais en tout cas je t'entends dans d'excellentes conditions, il n'y a pas de souci. La météo sur la Haute-Savoie, là sur la vallée de Chamonix, on a pour le moment quelques rayons de soleil qui passent, mais un ciel un petit peu voilé par moment. Mais bon, pour l'instant, nous avons du soleil et j'ai pas regardé la température. Mais à mon avis, on est entre 0 et 5 degrés, voire peut-être un peu plus. Voilà pour tout ça, Nicolas. Bah, je te retourne le micro. Et puis, je sais pas, après, si tu veux faire d'autres essais ou si tu veux passer le micro à d'autres personnes, il n'y a pas de souci. Hein. F4 HTN mobile, donc en démonstration. En démonstration sur le réseau Ecolink, je vais y arriver. F4 GVE sur écoute. Oui,
ok Pascal. Ouais, je vérifiais quand même que la fréquence était libre. Ok Pascal, F8, Charlie Tango Hotel, F8 CTH, F4 GVE de retour. Ok, meilleur 73 Pascal. Bien content de faire ta connaissance. Je crois qu'on s'est jamais contacté. Je connais ton indicatif par Nicolas, mais je crois que c'est notre premier contact. Tu me diras au prochain tour, je suis, comme je disais à Nicolas, je suis en train de faire une petite vidéo que je vais mettre sur Internet, sur ma chaîne YouTube, justement pour montrer un petit peu, pour faire une démonstration également en vidéo du réseau Ecolink. Donc tu me diras si je peux diffuser le QSO, hein. Voilà, hein. Si tu veux pas, il n'y a pas de souci. Moi j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter. Simplement pour ceux qui connaissent pas le réseau Ecolink, vous pouvez aussi l'utiliser depuis un ordinateur, un smartphone, une tablette, ce qui est assez sympathique quand on est en vacances et qu'on veut discuter avec les stations locales. Voilà, moi je l'ai déjà fait à quelques reprises, c'est également assez sympa à utiliser quand on n'est pas à sa station ou qu'on n'a pas de station sous la main tout simplement. Je repasse le micro à Nicolas ou à toi Pascal. Hein, je repasse à l'écoute F4 GV. Oui, ok Pascal, F8 Charlie Tango Hotel, F4 Golf Victor Echo, ce sera pour le final je pense. Ok, pas de soucis Pascal, l'adresse je la donnerai à Nicolas. Merci beaucoup en tout cas pour le QSO, je salue l'ensemble du club là, F8 KHW. Et puis je vous dis à bientôt, j'espère vous contacter à la fin du mois si vous voyez ce que je veux dire en HF. Si vous faites la coupe du ref, moi normalement je devrais être actif, donc on aura peut-être l'occasion de se croiser en décamétrique, probablement sur le 40 mètres je pense. 73 à tous, et puis je vous écoute pour le final là, Nico ou Pascal, et merci pour le QSO, et 73 à vous, et 73 aux stations à l'écoute, F8 CTH, F4 HTN, F4 GVE, j'écoute d'une oreille le final, mais je reprendrai pas. Amitié à tous et à bientôt. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé, vous pouvez laisser un pouce bleu si vous avez apprécié, vous abonner à la chaîne et me suivre également sur Twitter. À bientôt pour une prochaine.